très lointain pays, un royaume très prospère. Mais la paix n'allait pas durer. Le vieux roi venait de mourir. Sans aucun descendant sur le trône, le royaume tomba dans le chaos. La soif de pouvoir aveuglait les guerriers autant que les magiciens. Des rois apparurent pour tomber le jour d'après. Mais la folie des hommes allait bientôt être éclipsée par un mal encore plus grand. La magie qui donnait la vie et apportait la chance s'était transformée en une chose bien plus sinistre. Un par un, une tombe après l'autre, les morts se réveillèrent, se nourrissant de cette énergie qui devenait de plus en plus forte chaque nouvelle nuit. La peur se répandit dans tout le royaume, qui fut rapidement abandonné. À la périphérie du royaume, près de l'Académie Astrale, une voleuse était en train d'exécuter son plan sournois. Elle avait entendu parler d'un objet ancien d'une grande valeur. L'Académie Astrale, laissée à l'abandon aux mains de ce terrible ennemi, n'avait personne pour garder le trésor en sécurité. Le moment était venu. Eh bien, bonjour à tous et à tous. On se retrouve avec Ben, qui lui aussi est en vidéo, sur Trine, premier du nom. On a déjà fait la toute première partie, mais on a eu quelques soucis. Du coup, on vous a quand même remis la cinématique du départ, et on est parti pour la suite. Tout était parfait. Elle se dirigeait vers le Salut à tous et bienvenue pour ce petit let's play en compagnie de Jojo. Alors je suppose, enfin je sais pas si de votre côté ça a marché. Moi de mon côté j'ai eu un petit peu le micro de Jojo qui a bugué. Ah. Mais bon, c'est pas grave. Étant donné que j'ai une connexion buggée, c'est normal. Ah ça, les gourdes en fait, si tu marches juste dessus, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Fais gaffe ici. On s'était déjà fait avoir. Nickel. On est mauvais. Oh merde. Bon, ceux-là on les a déjà récupérés. Hein. Donc bon, là notre but ça va être... Que tout à l'heure, c'est déjà je te vois plus bugger moi, donc c'est déjà génial. Ah au moment où je dis ça, je te vois ramer. Étrangement, le c'est sort bon. Qui protégeait le sanctuaire la laissa en vie. Alors que la voleuse venait de mettre tiens, j'ai entendu sur le trésor, parler, elle toi. Ressentit un picotement. La voleuse allait bientôt découvrir que c'était plutôt le destin qui avait mis la main sur elle. Ok. À l'insu de la voleuse, bon, nous on s'est arrêté là. Le magicien avait regardé dans sa longue vue et remarqué la terrible armée de morts vivants. Il n'était pas vraiment très enthousiaste à l'idée de mourir. Par mon chapeau, je dois m'échapper. Il avait étudié les étoiles pour tenter d'apprendre le sort complexe de boule de feu que tout magicien se devait de connaître. Vas-y, fais-moi monter. Bien entendu, c'était un mensonge. En fait, le magicien avait une certaine réputation auprès des dames. Il avait travaillé à la création. Non, il faut que tu fasses ton pouvoir sur moi, sur la. Qui les impressionnerait et améliorerait son statut. Mais la potion s'était retournée. Mais non, t'as pas compris. Vas-y, reste là. Ah, c'est parce que. Attends. Vas-y, à toi de me faire monter. C'est comme ça que je t'ai monté en fait tout à l'heure. Ouais, oui, bah c'est parce que. Pas de faire si, voilà. Ah, mais pars pas trop en couille. Ah non, hein. Ok. Oh putain, attends, ça bug un peu chez moi. Vas-y, fais-le. Je suis sur la pierre là, je suis sur la pierre, voilà. Ah merde. Ah, mais si, je peux faire comme ça. Attends. Il n'y a pas besoin en fait. Hop! Hop! On n'avait même pas besoin en fait d'aller là-bas, c'était juste pour ramasser.
Bon, à tous les coups, il faut qu'on marche tous les deux en même temps sur le truc. Ouais, ou comme ça, ça marche aussi. C'est quoi ça? Tracer un carré et relâcher. Oh sa mère. Attends, parce que apparemment tu dois te servir du pad. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Tu dois faire un carré quoi. Bon, le magicien, c'est pas trop mon délire hein. Je préfère l'archère pour le moment. Vas-y, relâche. Ah non, non, attends, j'ai une idée. Ah, moi aussi, j'ai une idée. Attends, Ah, mais en fait, tu m'enlèves. Tu m'as enlevé mon truc. Ah oui, t'as trouvé, c'est ça. C'est bon, on peut y aller. Attends, parce que moi je vois, des moments où les trucs déconnent comme ça. Moi, t'as essayé de me faire tourner. Personne n'a pu y entrer pendant des siècles à cause de la magie ancienne. Ah, ben la voleuse. Hello. Ma chère, pourquoi cette expression de douleur sur un si joli visage? Quel est cet objet que vous tenez? Comment êtes-vous arrivé ici? Le magicien toucha la main de la voleuse. Puis l'objet, sa main y resta collée. Quelle est cette magie? Pour une fois, le magicien s'intéressa davantage à la magie. Il avait aussi peur pour sa chère vie. Mais quelqu'un d'autre à proximité se réjouissait de ce nouveau défi. Ok, mais je suppose qu'il y a le guerrier aussi après. Il y a trois persos donc. Le barbare. Je me demande c'est quel des trois persos qu'on va avoir maintenant. De l'Académie Astrale, un chevalier s'entraînait pour combattre les morts vivants et se prouver qu'il était digne de rejoindre l'armée du roi. Entre vous et moi, il ne savait pas vraiment ce qu'était un mort. Il allait prouver qu'il était le plus brave chevalier. Le chevalier perçut qu'il était de son devoir de protéger l'Académie Astrale pendant ses temps de désespoir. Il était à la recherche de toute chose inhabituelle. Attends, regarde là-haut, il y a quelque chose. Ah, bien joué, ça. Ah. Merde. C'est pas ce que t'es prévu, ça. Si je fais comme ça, tu peux monter sur moi. Ouais, ça marche aussi, ça. Hop. J'ai réussi à taper le truc avec l'épée. Ouais ouais, ça a marché. Ah d'accord, parce que moi je la voyais pas tomber. Yoda. Ah là-haut, regarde, il y a quelque chose là-haut. Bien joué. Ah, trophée. Okay. T'as eu un trophée aussi? Ouais. Faudrait qu'on regarde, il y a un platine à faire sur celui-là. Et l'académie. Rien ne pouvait lui barrer le chemin. Ah, deuxième. Allez, hop, on enchaîne. Le chevalier les rejoignit et mit la main sur le troisième côté de l'objet à la façon d'un puissant guerrier. Oh non, ce n'est pas de bon augure. Qu'est-ce qui n'est pas de bon augure? Il y eut un éclair de lumière et le magicien. La voleuse et le chevalier disparurent. Téléportation.
impressionné par l'effet de ce mystérieux objet, le magicien tenta de se souvenir de tout ce qu'il savait sur le sanctuaire et son artefact. Son esprit parcourut chaque conte et légende. Enfin, le magicien se souvint. Le trésor, cet objet ancien, était un artefact qui pouvait unir les âmes. Comment il marchait, il ne le savait pas. Mais il savait qu'il était lié à la légende du gardien dont le corps avait été enterré dans les catacombes sous l'Académie Astrale. La tombe se trouvait juste en dessous du sanctuaire. Le magicien ne pouvait pas l'expliquer, mais il était sûr que l'objet s'appelait le Trahn. Le chevalier s'en moquait. Il se souciait de bien autre chose. Bon. Elle a volé le trésor du roi. On peut changer de personnage, ça c'est bon ça. C'est un objet ancien. Ok, bah je reste un peu équipé de la... Je pense qu'il vient de lier nos âmes. Nous sommes coincés en... Ah ouais, on peut pas avoir tous les deux l'archer, très bien. La voleuse de Moracie. Moi je joue pas le mage, hein, je préviens. Le mage c'est vraiment pas mon truc. Hein. Le mage, je te le laisse. Hein. Je pense savoir comment faire fonctionner l'artefact à notre guise. Y a rien là-bas? C'est quoi ça? Je pense pas. C'est pour revenir en arrière, ça. Mal. Ah là, il faut que tu casses là. Ah, je te vois casser là-bas alors que t'es là-bas. Très bien. Ça, c'est intéressant, ça. Oh, attends, j'ai une idée. Ouais, sinon, ça marche. Hop. Je vais faire pareil avec la caisse, mais... Attention de ne pas les faire tomber dans le vide, hein, parce que des fois je crois qu'il peut y avoir des pièges. Hein. Oh sa mère. Bah, côté vie, c'est pas trop ça. Hein. C'est débile! Mais ouais, c'est ça, je voulais chercher depuis tout à l'heure. J'arrivais pas. Merde! Non, on revient. Bien joué, ça. Allez. Hop. Oh, dans quoi me suis-je fourré? Maintenant, nous devons trouver le moyen d'inverser le sort, d'annuler la magie. La tombe du gardien dans les catacombes peut contenir la réponse, et ce n'est pas très loin. Sors le guerrier! Ah, là-bas, tout à droite, il y a un truc. Je crois qu'il va tellement y avoir des pièges ou des trucs à la con dans ce jeu que... Ah ouais, moi je peux pas passer, tu dois passer avec elle et puis après changer pour que moi je puisse passer. Bien vu ça. C'est ça qu'on veut. Bonjour. Attends. Hein. Tu peux prendre le... Ouais. Oh, c'est vraiment génial. Je suppose que le magicien n'a presque aucun moyen d'attaquer à part faire tomber des cubes dans la tête. Ouais, je crois.
mon côté, on me voit taper dans tous les rien. Fais gaffe, tu peux te prendre un pic. Non, t'as pas tué là. Bah si. Ah non, 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 fais pas répondre en attente. C'est de la merde. Ah merde. Bah non, il va tuer tous nos personnages, le con. Non, oh, putain, non, attends. Oh putain. Et un, et deux, et... Oh! Ça va? Ça va. Ça y est, me plaît. Attends, mais c'est... Je te protégerai. Tiens, prends l'archère. Ouais, c'est pas trop ce que je voulais faire, mais... Allez, tu peux y arriver. Là-haut, il y a quelque chose. Ouais, bien joué. Ouais, bah, voilà, t'as été chercher ce que je voulais. En bas, y'a rien? Non, mais je vais avoir besoin de l'archère. Merde, non. J'ai raté mon coup. Ah, attends. Voilà ce que j'allais faire. Mais gros, je me suis pris un pic quand même. Attends, j'ai une bonne idée. Ah non, c'est une mauvaise idée. Tiens, viens, viens, passe, passe. Qu'est-ce que tu fais avec le squelette? Tu fais passer au-dessus de toi, du coup. Ah, attends. Non, 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 attends. Tu vas la faire tomber dans le vide. Ouais, laisse-la là, laisse-la là, laisse-la là. T'es sûr qu'on y... qu'on ira pas en dessous après? Laisse-moi le mage, s'il te plaît. Voilà, enlève-toi. Ce truc-là, je peux pas le prendre. À mon avis, arrivé en haut, il doit y avoir un truc... Et on sait le prendre. Bon, j'ai perdu un gars. On va devoir revenir plus tard, je pense. Ou alors en passant par ici, peut-être. Ah non, 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 ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, fais gaffe. Ah, j'ai compris. On n'a pas besoin de revenir là, en fait. Si, tiens, on peut aller chercher le truc, tiens. Tu
veux vraiment que je meure, toi? Oh! Il y avait deux squelettes qui m'attendaient en bas. Et quoi, je dois... Tu dois me rejoindre, je crois. Hein. Ou alors, je dois te rejoindre ici. Bah, laisse-moi le mage. Laisse-moi le mage. Je vais en avoir besoin. En toi, Ben. J'ai besoin du mage. Voilà. Je vais avoir besoin de l'archer. Voilà, tu sais me rejoindre? Je te laisse le... Oh! Il n'aime pas que nous soyons là. Laisse-moi le guerrier. Ah, je te laisse les deux autres. Le reste, on en a pas besoin de toute façon. Oula. Il y a un truc à chercher là-bas, c'est sûr. Il y a un trésor. Ah ben non, non, attends. Oh, attends, laisse... laisse-moi la recherche. Si tu veux bien. Attends, j'essaye. Non, laisse-moi la recherche, j'ai une idée. Ça veut pas? Mets un truc pour bloquer le truc. Ouais, voilà. Ouais. Vas-y, fais-moi passer. Allez. En mettant un caillou, ça marche pas. Voilà, c'est bien. Non. Encore un petit peu, un petit effort. Ouais, mais est-ce qu'il va bien bloquer? C'est ça la question. Est-ce que c'est par là qu'il faut qu'on passe au moins, tu crois? Attends. Débloque-le un tout petit peu et replace-le direct. Oh. A mon avis, c'est pas par là. Hein. Non, je pense pas non plus. Oh non, c'est ici, c'est ici. J'ai besoin que tu me... Très bien, au revoir. Vas-y, c'est ça, c'est une bonne idée. Le guerrier, il est plus lourd. Nickel ça, 45 sur 50. On les a tous presque. C'est ça qu'on veut. Ouais, il nous en reste. C'est ici qu'il faut passer. C'est ici. Mais ouais, je sais, je l'ai vu tout à l'heure. Rond pour ouvrir. Collier vital trouvé. Pourquoi on a un inventaire? Mais oui, on a un inventaire. Ah ouais? En appuyant sur pavé. Et carré après. Augmente le niveau de vie maximum de 5% associé aux autres enchantements de vie. C'est pas mal ça. Ah, je suis obligé de faire le tour. Oh merde! J'arrive, Benou! Headshot! Bon, je te laisse finir par là. Je me demande s'il n'y a pas un truc là. Parce qu'il en manque un de... Non? Bah à mon avis il est pas là alors. Ok, tiens, je te laisse le... Je te protégerai, Ben. Go, go, go.
Ah, il est là-bas. Ouais, ouais, moi aussi. Il y en a encore un au-dessus, c'est normal. Niveau suivant. Ah, on peut améliorer un niveau. Ah. Oh, j'améliore l'archer, moi. Ouais, je vais peut-être. Ah, ça va être bien pour le magicien. Je lui ai permis de faire coexister deux boîtes. Ouais, ça va être pas mal. En fait, il faut trouver 50 potions pour améliorer tes compétences. D'accord, ouais. C'est bon. Attends, vas-y, accroche-toi, toi. Il faut que je prenne le mage. Non. Ouais, je suis en haut. Accroche-toi à mon bouclier. Attends, dis-moi quand t'es accroché. Je suis accroché. Je vais aller de l'autre côté, moi, je vais aller à gauche. Là, il y avait plein d'objets. Ah, il y en avait, ouais. Nickel. Attends. T'as vu là-haut? Oh! Ne toucherai pas le Benou. Yala. Ah, il y en a plus. Merde, je croyais qu'ils étaient là. Attends, moi j'ai compris un truc. Eh. Hey. Il y en a un dans l'intelligence. Il en a de l'intelligence plutôt, il y en a dans l'intelligence. Oula. Ouais, du coup, t'es plus trop crédible, tu vois. Non. Non. Reviens. Oh, un coffre. C'est rond. Attends, laisse. Anneau de mage, ah, voilà. Trouvé. Le prochain, ce sera pour chevalier, pour nous. Bah ouais, je suppose. Bah non, ce que je veux dire, c'est qu'on s'équipera du chevalier. Mais ça change rien, je crois. Mais si. Parce que tu... Oui, tu mais c'est de la chance, c'est de la chance. À mon avis, tu l'ouvriras avec le truc, ça sera quand même pour le chevalier, il va t'en donner un tchac à chaque fois. Tu sais me faire avancer vers la gauche ou... Avec ton mage. Ah d'accord. Bon, moi je suis parti, moi. Il y avait rien à gauche? Non, il y avait pas l'air. Ah, je crois que c'est la fin. Ouais. Personne maître de la cour. Attendait nos héros. Ils n'avaient pas vu d'hommes, de femmes ou d'enfants depuis longtemps. Les morts vivants avaient tout transformé et ils étaient désormais entourés par le mal. Mais nos héros devaient poursuivre. Ils étaient à la recherche de la tombe. Le magicien était sûr qu'elle appartiendrait à l'un des fondateurs de l'Académie Astrale, un des trois gardiens. S'il trouvait sa tombe, peut-être qu'il pourrait trouver un sort pour les délier du train. Bah c'est parti. Tu sais hein. Combien de temps ça fait, plus ou moins qu'on saigne ? Nous sommes sous l'Académie Astral. Non, mais on a encore le temps. Hein. Mon épée va vous montrer le chemin. Suivez-moi. On s'arrêtera à la fin de niveau, hein. Si on verra après ce niveau-là, ok. Que c'est ça en fait que je trouve ça dommage. Attends, je vais regarder s'il n'y a pas moyen de voir. Non, il n'y a pas moyen. Non. Non. Merde.
je ramasse ça. Et puis je crée. C'est quoi ce petit truc de PD là? Monsieur? Merci. Est-ce que ça n'activerait pas mécanisme sur le truc? Là en bas, il y a rien. On dirait pas. Ah ouh. On ira après. Et en plus j'ai trouvé le moyen pour l'avoir. Ouais. Ça va être très simple, c'est que... Petit cube. Ouais j'avoue, j'avais dit petit cube mais bon. Enlève ton cube. Ah si, on peut faire comme ça mais ça aurait été plus simple comme moi. Merde, attends. Non. Oh, oui. Oh, il tape de loin le bâtard. Ah, attends. Ah, non, je vais t'aider, mais... Les petits trucs nous ont pas les... Oh, un boss. Oh, il y a un boss. Merde, on est bloqué. Ben, c'était toi le chevalier. Attends. Oh, ça marche. Faut viser la tête. Oh, bah alors là, j'avais trouvé une bonne technique avec le bouclier. Faut peut-être voir avec le bouclier. Regarde, tu fais un truc avec le match. Ah ouais, j'ai rien dit. Bah oui, non, bah écoute, moi je te laisse dire, hein. Écoute, il n'y a pas de problème, hein. Non, je vais faire tomber l'autre. Non. Je suis mort par quoi? Par les flèches. Tellement mon archer. Je suis nul avec le reste. Donne-moi mon archer, je veux l'archer. Non mais je rigole pas, je veux l'archer. Bah attends, laisse-moi passer. Parce que bon... J'ai cru que t'allais mourir écrasé. Non, quand même pas, je crois pas. Attends, viens ici, là où je suis, il y a un truc en haut. Attends, parce que moi, il y a un squelette là. Je voudrais bien passer, mais... Où ça, là-bas? Ah ouais. Ouais. Attends, je vais essayer de poser le cube comme il faut. Tiens, voilà, là je l'ai posé comme il faut. Ah oui, j'ai compris ce qu'est-ce qui bloquait. Oui, j'ai l'œil, mais j'ai failli crever. Attends, j'ai... Et ça va.
Parce que ça c'est bien, mais il y a un truc à aller chercher là-bas. Ouais. Merde. Attends, je vais essayer de l'avoir. Merde. Attends, je vais essayer de trouver un truc pour nous réanimer. On va regarder si on s'est retourné en arrière alors. Putain! Il y avait un truc à droite! Au point de passage. Bah ouais, mais on est où là? Ah, on est là. Ça, on a, ça, ouais, ça a déjà repris les trucs, c'est bon. Oh! Merde, moi je me suis fait avoir. Tiens, c'est bien que ça. Ça, c'est fou ça. Attends, attends, je vais le faire tomber. Comment on fait pour le prendre, putain de sa race? C'était plus ou moins comme j'ai voulu le faire, mais tu mets le bouclier devant. Bah ouais. J'ai adoré le... Bah ouais. Bon. Bah ouais, je l'avais mis, mais pas marché. Putain. Non, crève pas avec le bouclier. Ah, c'est bon. Eu. Ouais, je sais, j'ai eu. C'est le plus important. Ah bah attends, mais comment on va faire contre les squelettes? Oups. Je tire deux flèches à moi maintenant. Mais je vais y crever. Voilà, je vous fais tomber des cubes sur la tête. Comme malade. Oh attends. Non, ouais, pas, ok, non, j'ai mais... compris. Vas-y, vas-y, j'attends, j'arrive. Vas-y. Y'a plus rien là-bas. Non. Ok. J'ai tout repris. Ah mais encore. Ah bah. T'en sois pas tombé. Bah si, c'est fait. Attends, moi je saute et maintenant. Attends, je la fais tomber. Je voudrais monter, mais tu me bloques à chaque fois. Attends. C'est bon. Tiens, flèche dans ton cul. Oui, je vais pouvoir attaquer. Ça fait mal ça. Je sais pas ce qu'il m'a touché mais. Ah. Non non non. Yolo. Oh non. Attends. C'est pas la bonne idée ça. Tu laissais faire le mage. Ah oui, je peux les tuer. Coup de boule dans ta gueule. Ah.
Vas-y, fais-moi monter là. Attends, je mets les boules là-bas, parce que c'est comme ça c'est moins dangereux. Non, tu restes là-bas. Tu restes là-bas, j'ai dit. Tu peux pas. Comment ça, tu peux pas la brique qui est là par terre tu... Bon, allez, hop, ça marche aussi. Non, non, non. Eh, ça veut pas. Non. Monte sur mon cube imaginaire. Ah, bien joué. Faut que tu me fasses aller vers la gauche. Oh, y'a des araignées lanceuses de poison, dépêche. Avant demain. Sinon je vais crever. Allez, ça. Mais non, il faut que tu me fasses bouger le truc vers la gauche, Ben. Le truc où je suis, vers la gauche. Tu sais quoi, tu savais pas le faire Une fiole de mana. Ah, génial. Quoi? Gros, n'importe quoi. T'étais devant moi. Connasse. Tu redescends en bas, logiquement on peut revenir à la vie. Ouais, mais y'en a un là-bas aussi. T'auras besoin du mage. Qui non. Ici. Mes amis. Regardez ça. Ah ouais, mais attends. Oui, vous avez raison. C'est la tombe du gardien. Oh, t'as raison. C'est chiant. J'ai besoin de temps pour le traduire. Non, pas là. Hey. Ah, là c'est moins drôle. Par contre, on peut jouer à 4, mais. À 3. Comment tu. À 3 seulement? Ouais. Je m'en fais pas aller là-bas? Ah non, c'est fini en fait. Tandis que le magicien lisait les inscriptions, il commença à comprendre les légendes des artefacts. Il y avait jadis 3 gardiens, chacun possédant un artefact à protéger. Le Prime était l'artefact de l'âme et de la vertu, ainsi qu'un catalyseur pour les pouvoirs du bien qui avait aidé à instruire en silence les bons magiciens de l'Académie Astrale. Les deux autres artefacts n'étaient mentionnés que brièvement. Le deuxième, qui se rapportait à l'esprit et à la puissance, se trouvait dans le grand château au milieu du royaume. Ok, ben les amis, c'est ici que le premier épisode pour ma part s'arrête. Je ne sais pas Ben, mais en tout cas, moi, le premier épisode s'arrête là. J'espère que vous avez aimé. Arrêter le premier épisode, du coup. Ouais, laissez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Ben, ça fait plaisir aussi. Salut tout le monde.